Comme je vous le disais récemment, la vidéo est devenue un outil de marketing majeur. Et si vous voulez vraiment toucher des prospects sur Internet, il serait dommage de ne pas s'y mettre. Évidemment, vous aurez un meilleur impact si vos vidéos ont une allure professionnelle. Et s'il y a un truc qui fait vraiment pro dans une vidéo, c'est d'avoir un logo animé. Comment obtenir une belle animation de votre logo? C'est ce qu'on va voir juste après ça. Salut, je m'appelle Roberto et aujourd'hui je vais vous expliquer comment vous pouvez obtenir une animation professionnelle de votre logo sans les mains. Quand je parle d'animation de logo, ça peut être le logo tout seul, comme ici à côté de moi, ou bien carrément un générique animé qui se termine par votre logo, qui pétille, qui virevolte, qui glisse ou rebondit pour mettre en valeur votre marque. Mais pourquoi est-ce qu'il faudrait s'embêter à animer votre logo? Eh bien tout simplement parce que ça donne une image de professionnalisme. Être considéré comme un professionnel, c'est déjà passer un premier cap, celui qui permet d'éviter que l'internaute vous classe dans la catégorie amateur. Parce que s'il le fait, vous aurez moins de chances de le convaincre d'acheter vos produits ou vos services. Je ne sais pas si vous avez connu cette époque où les génériques des émissions télé ressemblaient à ça. Aujourd'hui, heureusement, les technologies ont évolué. On peut faire des trucs incroyables à partir d'un simple logo, si bien que l'animation d'un logo et d'un générique d'introduction peuvent déclencher un « wow » auprès de vos spectateurs. Si vous y parvenez, vous aurez toute leur attention, ce qui est un énorme avantage. Alors vous aimeriez peut-être que je vous montre un outil magique qui vous permet de passer votre logo à la moulinette et de l'animer automatiquement en cliquant sur un bouton. Malheureusement, actuellement, c'est impossible. Pour animer votre logo, il faut une intervention humaine et de préférence celle d'un spécialiste. Alors vous allez me dire, un spécialiste, ça coûte cher. Et je vais vous répondre, pas forcément. Je vais vous montrer où trouver la compétence qu'il vous faut à un tarif beaucoup plus abordable que vous ne l'imaginez. Vous devez savoir qu'il vaut mieux déléguer une tâche qui peut nous apporter un résultat quand on n'a pas le temps ou la compétence de la faire soi-même. Et je pense qu'animer un logo répond à ces conditions. C'est d'autant plus justifié que vous n'avez à le faire qu'une seule fois pour l'intégrer ensuite à toutes vos vidéos, ce qui décuplera leur impact commercial. Donc je vous invite à cliquer tout de suite sur le lien dans la description ou sur le i qui s'affiche en haut à droite de la vidéo, parce que ce lien va vous mener au site que je voudrais vous montrer. Certains d'entre vous le connaissent peut-être, il s'appelle Fiverr. Le concept de ce site est de proposer des services à partir de 5$. Selon le type de service et la quantité de travail qu'il demande, les prix peuvent être plus ou moins élevés. Mais il y a peu d'endroits sur le web où vous trouverez des prestataires à des tarifs aussi intéressants, à commencer par l'animation de votre logo. Voilà, donc ici je suis sur le site de Fiverr, et sur le site de Fiverr, en fait, on a plusieurs possibilités. Soit on utilise le petit moteur de recherche ici pour chercher un service spécifique, on peut taper logo animation comme c'est proposé ici, ou alors on peut descendre ici un peu plus bas, et on va pouvoir explorer par catégorie. Et donc dans la catégorie qui nous intéresse, ça va être donc vidéo et animation, je clique ici. Et dans vidéo et animation, à gauche, je vais avoir des sous-catégories. Et dans les sous-catégories, je vais choisir logo animation. Donc voilà, sur cette page-là, je vais avoir sous la forme de vignette, en fait, différents prestataires qui se proposent pour réaliser des animations de votre logo. Alors, par défaut ici, ces prestataires-là sont classés par best-selling, c'est-à-dire les ceux qui vendent le plus, ceux qui ont le plus vendu leurs prestations à des clients. Donc ça peut être un gage effectivement de qualité. Il y a eu beaucoup de ventes, mais vous avez aussi comme autre critère, autre indication de qualité, la notation bien sûr des clients. Et donc ça va sur 5, donc quand on a une note de 4,9 sur 5 et qu'il y a eu plus de 600 votants, 1000 votants et plus, etc. sur ces prestataires-là, effectivement, on peut supposer que le service est plutôt de qualité. Alors après, il faut évidemment trouver quelque chose qui corresponde à votre goût et cohérent par rapport à votre budget, au budget que vous seriez disposé à dépenser pour ce genre de prestations. Donc je vous avais promis des petits prix pour ce genre de prestations. Vous voyez que on voit en bas le tarif à partir duquel on va pouvoir obtenir la prestation en question. Donc certains proposent à partir de 28,41 €. Donc on a des tarifs quand même sous 30 €, et même ici on a des tarifs sous 5 € pour avoir un logo animé. Alors évidemment, après il faut voir ce que vous avez précisément, et pour savoir ce que vous avez précisément pour ce tarif, il faut aller sur les fiches des prestataires en question. Donc pour aller connaître le détail, vous cliquez dessus et vous arrivez automatiquement sur la fiche du prestataire où vous allez avoir beaucoup plus d'informations. Notamment, vous allez pouvoir visionner en fait sa démo, donc la démo de son travail pour montrer ce qu'il sait faire, ce qu'il a déjà fait comme animation de logo et donc ce que vous pourriez vous obtenir comme type de logo de sa part par rapport à vos besoins.
Donc ici, on a un petit aperçu des différentes animations qu'il est à même de vous proposer. Et puis, si vous descendez dans la page, alors après, en anglais, vous allez avoir une petite description de ce qu'il peut vous proposer. Et si vous descendez un peu plus bas, normalement ici, enfin, le plus souvent, vous allez avoir des packs, 3 ou 4 packs qui sont présentés ici en colonne. Et vous avez donc le tarif minimal, donc à partir de 4,74€, enfin pour 4,74€, vous allez avoir tout ça. Ça, c'est le pack basique, le pack standard et le pack premium. Vous voyez, ça monte jusqu'à 14,21€, c'est pas non plus la mer à boire. Et en dessous, il y a un petit résumé de ce que ça propose. Donc pour 4,74€, vous avez 3 intros. Donc ce qu'ils appellent les intros aux États-Unis, c'est des génériques en quelque sorte, ou en tout cas une animation qui présente votre logo en introduction de votre vidéo en Full HD. Et puis évidemment libre pour une utilisation commerciale. Et donc après, là vous n'en avez que 3, là vous en aurez 5. Alors si on veut comparer, il faut aussi regarder ce qu'il n'y a pas dans la première tranche, la tranche de 4,74€. En l'occurrence, ce qu'il n'y a pas, c'est la transparence de logo, vous voyez dans la colonne à gauche, logo transparency, donc ça veut dire que il va vous livrer en fait une animation de votre logo, mais par contre, si vous voulez ensuite l'incruster sur une vidéo, sur le fond que vous souhaitez, sur une couleur ou n'importe quoi, ce ne sera pas possible parce qu'il ne sera pas transparent. Par contre, les autres forfaits, 9,47€ et 14,21€, eux, vous proposent la transparence du logo. Donc, comparez bien, regardez bien ce que vous avez dans les 3 cas de figure avant de décider. Voilà, nombre de versions, et puis aussi les délais de réalisation. Donc ici, dans les 3 cas, c'est un jour de réalisation pour votre logo animé. Donc ça c'est juste un exemple de fiche. Hein. Évidemment, c'est un prestataire, il y en a plein sur Fiverr, il y a juste à fouiller, à regarder, à trouver en fait ce qui vous correspond le mieux et au niveau du tarif et au niveau du travail et de la qualité du travail que le prestataire est à même de vous proposer. Vous tombez sur un prestataire qui vous intéresse, dans ce cas-là, vous pouvez le contacter, lui poser des questions éventuellement. Sinon, cliquez sur Continue, enfin, choisir le pack qui vous intéresse ici, et ensuite cliquez sur Continue. Et vous allez pouvoir régler, avancer la somme d'argent et dire spécifiquement ce que vous souhaitez à votre prestataire. Donc, ça c'était un exemple de prestataire pour l'animation de votre logo. Il y en a évidemment beaucoup d'autres. Donc j'ai vu celui-ci qui me paraissait intéressant tout à l'heure. Celui-ci par exemple s'appelle 8 Studio et vous propose, on va aller voir l'affiche un peu plus en détail, il vous propose 50 animations de votre logo qui vont vous être livrés en 24 heures, donc avec votre logo animé, de 50 façons différentes, 50 vidéos différentes. Et tout ça pour le prix de 14,21€. Donc pour 14,21€, vous avez 50 vidéos en Full HD qui animent votre logo et qui incluent des sound effects, donc des effets sonores si vous le souhaitez, mais aussi une musique de fond si vous le souhaitez. Et donc ça, c'est quand même assez intéressant parce que ça vous permet de choisir. Voilà, et puis tout ça c'est livré sur 24 heures. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que, à mon avis, s'ils proposent autant d'animations pour un tarif, une somme aussi modique, c'est peut-être parce que les animations sont préfaites et que la personne, enfin la société ne fait que appliquer les animations préfaites à votre logo à vous, mais ça à la limite on s'en fiche. Vous, ce qui vous importe, c'est que vous ayez pour un prix très acceptable. Une ou plusieurs animations de votre logo qui vont faire très professionnel, qui vont vous permettre de mettre ça, d'intégrer ça dans vos vidéos. Donc sur cette petite vidéo de démo, je pense qu'il vous montre certaines animations, les 50 animations qui sont à même de vous proposer. Donc il y a des choses très variées, assez sympas. Mais j'ai vu aussi qu'ils avaient un lien, alors c'est un peu plus bas ici, exemple de 50 animations. Donc si vous copiez ce lien et que vous le regardez dans un nouvel onglet, vous allez pouvoir cliquer sur Watch Preview et là vous avez la vidéo qui vous montre vraiment toutes les animations qu'ils vont faire pour 15 euros, une quinzaine d'euros avec votre logo à vous. Donc c'est des façons de faire apparaître votre logo qui peuvent être extrêmement différentes en 3D ou en 2D. Donc ça c'est un exemple comme un autre. Vous pouvez aller regarder la vidéo, elle dure 5 minutes, donc il y a évidemment beaucoup d'apparitions et d'effets spéciaux différents. Je pense que ça fait assez pro, c'est assez sympa. Voilà, et quand je reviens après sur l'écran, la page d'accueil des prestations d'animation de logo,
Je peux aussi vous montrer que vous avez la possibilité de filtrer en fait les résultats de différentes façons et notamment par budget si vous souhaitez effectivement ne pas dépasser une certaine somme pour la réalisation de cette prestation. Donc si vous voulez pas dépenser plus de, je sais pas, plus de 15 euros, effectivement, vous validez. Et ici, ça va vous afficher, il y a quand même 260 prestataires qui vous proposent de faire un logo animé pour moins de 15 euros. Alors après, j'aurais pu aussi restreindre un peu plus, mettre moins de 10 euros. Je suis sûr que je vais en trouver, voilà, 237, il y en a encore beaucoup. Donc c'est à partir de toujours, hein, mais il y a quand même énormément de choix. Et puis, voilà, tous ces prestataires, en tout cas les premiers, sont quand même très bien notés, 4,9 sur 5. Regardez aussi le nombre de personnes votantes. Plus il y en a qui ont voté, qui ont donné une moyenne de 4,9 sur 5, mieux c'est. Et voilà, puis après c'est à vous de voir ce qui correspond le mieux à votre sensibilité ou en tout cas au style que vous recherchez pour animer votre logo. Donc ici on a, je pense qu'il a fait un petit exercice d'animation du logo de la BBC. Voilà. Si on clique sur la petite flèche ici, on peut visionner immédiatement, même sans aller sur la page du prestataire, les différents types d'animations qu'il propose. Donc voilà, ça fait des choses vraiment très pro, très professionnelles, très classe. Vous voyez un petit peu les possibilités qui s'ouvrent à vous pour un budget aussi restreint. Donc n'hésitez pas effectivement à cliquer sur le lien pour aller sur Fiverr parce que vous allez trouver une mine, une richesse en fait de créativité et de prestations professionnelles à votre disposition. En sachant que là, je vous montre le rayon vidéo animation, mais Fiverr évidemment ne se restreint pas uniquement à la vidéo et pas uniquement à l'animation de logo, mais il y a énormément de domaines qui sont couverts. Donc vous voyez ici, il y a toutes les catégories de prestations qui sont proposées. Ça peut être dans l'écriture, la traduction, le marketing digital, la musique, l'audio, la programmation, etc., etc. Donc je vous invite à fouiller là-dedans si vous souhaitez aussi d'autres prestations que simplement l'animation de votre logo. En tout cas, ça c'était l'objet de la vidéo du jour, donc c'est ce que je voulais vous montrer. Sur Fiverr, vous aurez donc une animation de logo professionnelle et impactante à partir de 5$. Vous dépensez une seule fois le montant demandé et vous utiliserez votre logo animé dans toutes vos vidéos professionnelles pour provoquer le wow auprès de vos spectateurs et capter toute leur attention. Donc je vous mets le lien Fiverr dans la description, vous pouvez trouver dès maintenant le prestataire qui va faire vivre votre logo. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, ça me fait toujours plaisir. Et sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !